Entrée des artistes à l'auditorium. Direction la salle de répétition pour une expérience orchestrale peu banale. Dans ce groupe, pas de musicien, seul instrument en vue, un téléphone portable. Le groupe va apprendre à en jouer sous la houlette de Pierre, le chef du chœur de smartphone. Le son apparaît. Ça, c'est le volume. Et on transforme. Un chœur de téléphone portable, des ambassadeurs qui auront pour mission d'entraîner le public à faire de même. L'expérience Geek Bagatelle repose sur la bonne manipulation du téléphone portable. On est une génération connectée, comme on dit, et du coup, c'était une nouvelle expérience et je voulais en faire partie. On prend une nouvelle utilité au téléphone. Ça paraît en plus ludique pour certaines personnes qui n'auraient pas forcément envie de faire de la musique avec un instrument et dans des conservatoires. Et je pense que c'est une manière aujourd'hui de faire aimer la pratique musicale, en tout cas, à de nouvelles personnes. Vous avez que ça dans le bide ? Oui ! Plus ! Oui ! Allez-y ! Oui ! Geek Bagatelle sur scène, voici ce que ça donne. Il y a les musiciens de l'orchestre de Picardie, des collégiens dans le chœur de smartphone, et deux hommes pour diriger l'ensemble. C'est rare de voir deux chefs dans une même pièce. Donc il y a une sorte de duo. Une sorte de duo qui est hyper intéressant, avec Harry Van Beck qui va diriger l'orchestre de Picardie, et moi qui dirige le chœur. Et du coup, il y a une sorte d'interaction qui perd du coup des jeux de regard. C'est très intéressant, ça. Alors si le cœur vous en dit, téléchargez l'application Geek Bagatelle et c'est à vous de jouer.